Bonjour tout le monde, bienvenue sur Parmi ça pour la caille. En fait, hier soir, eh bien, Ketanji Brown Jackson arrivait passer étape définitive qui pourrait permettre que lui débarquer dans la Supreme Court comme première femme noire et dans l'histoire pays ça qui pourrait le trouver comme juge dans la Supreme Court. Mais faut nous dire ou bien procédure là c'est que ou passer dans le comité. Et femme dit que bataille a été serrée. Parce que son comité qui étudie le dossier, ensuite prouvé le souffle là. Ça qui passe. Dans la discussion que tu as faite communauté dans le comité, eh bien c'était 11, 11 litres de détails. Pour montrer aux gens, il dit républicain, yo, et malgré que nous connaissons Donald Trump, ils mettent n'importe deux juges dans la Supreme Court pour contre eux, yo style, malgré c'est un moment historique, ils ne sont pas gênés, non? Par le fait que vous avez un premier noir, la première femme noire dans l'histoire. Qui pourrait aller dans la Supreme Court, eh bien, tout facteur ça, pas de frein pour faire que les gens ne disent pas d'accord. En d'autres termes, si effectivement, ils ont gagné un moyen politique, ils ont bloqué dame ça. Et gagné leader dans le Sénat. Je m'en connais. Monsieur fait plusieurs réunions avec les sénateurs pour dire, il faut que nous conservions position. Il faut que nous votions dame ça down. Mais dans ce qui passe, étant donné que bah, la réalité est taille-taille, donc, il devine faire une formalité de vote hier soir, ça a passé. Et heureusement, c'est que l'arrivée joue un support, non seulement, en fait, toute démocratie, bien entendu, mais elle pas de besoin à risque à Mala qui pour devine faire tie-break là, puisque tu as gagné trois sénateurs républicains. Nous voulons parler de Susan Collins, qui nous mène, Mitt Romney de Utah, et Lisa Murkowski dans Alaska. Eh bien, tous les trois, ils ont voté. Pour supporter et Ketanji Brown Jackson, ça qui fait que, eh bien, dans ce moment-là, il va faire dernier vote définitif là, parce que vote ça c'est pour être capable de faire le vin sous flore là. Et Mitt Romney expliquait que il est capable de gagner quelques désaccords tout petit avec Ketanji Brown Jackson, mais là, regardez le dossier, il est vraiment qualifié, il est capable de faire job là, donc normalement, les minorités à poste là. Du tout, pendant ce temps, c'est vrai que tout le monde connaît que lui pas au monde de la droite, mais si on l'autre débo, on l'autre juge Beyer qui orienté de la gauche que l'a remplacé. C'est vraiment rappeler nous dans le moment Supreme Court là qui gagne les flats, c'est comme qu'on gagne 6 conservateurs, 3 libéraux. Faut nous rappeler ça. Dans le temps passé, il n'y a pas de conservateurs. Ou te gen 4, ou te gen on a fait de 4 libéral qui vient faire Robert souvent c'est lui même qui te qu'on a fait qui lui même je dis même Robert limité puisque c'est yon Supreme Court notre connel qui est chargé avec conservateur et yon nan moun jounen jodi a qui a questionné en pile toute semaine là bien que nous même nous parler de savoir ici là et Monsieur fait un pile actualité et c'est un noir et qui trouvait de la droite, ok? En fait, nous voulons parler de Clarence Thomas. Nous connaissons parlé en pile de lui semaine ça à cause de Madame Ni et il dit que Monsieur, en fait, Madame qui est très actif dans la bataille à côté de Trump, Madame qui a bataille pour changer les résultats d'élection en ce sens. Je te pensais que monsieur a supposé gagner les trois dossiers depuis c'est Trump. Il a supposé, par éthique professionnelle, retirer quoi parce que le jugement lui a biaisé, il n'a pas fait. Donc, en clair, et s'il est vrai que l'arrivée de Ketanji Brown Jackson, c'est un événement historique qui méritait célébrer, mais nevertheless, influence lui qui s'allie, lui tout simplement un troisième juge libéral, non, mais tant. 6 autres juges conservateurs. C'est ça la réalité. Malgré ça, les républicains n'ont pas satisfait de la majorité et ils étaient prêts justement pour jeter. Maintenant, ça pour nous comprendre, et c'est là l'importance. Nous, dans le mois d'avril, c'est ça qu'on a pu le monde dit, et monsieur Affol, dégagez le bail vague, parce que nous ne pouvons pas être mentis. Dans l'élection qu'on a faite là, soit fait en termes de probabilité, les républicains ont une chance pour reprendre contre le Sénat. Et il est clair que l'Instagram qui a parlé, il dit nous-mêmes depuis une élection, nous ne pouvons pas même recevoir, non. Nous ne pouvons pas recevoir avant même, ok?
Donc, lui dit, et depuis une première élection, hein, et le pas même recevoir. Donc, ce que je vous dis, et si pressé, pressé, et yo pas de courir, et si pressé, pressé, yo pas de courir, votez Mansella, la républicain, yo, démocrate, yo, t'es qu'à pas qu'à mettre personne monde. Vous comprenez? C'est comme ça pour nous comprendre, yo, là. Donc, si vous pas de faire marcher pressé, ça, là, courir, vous, et votez là, parce que l'un dit ça, vous comprenez bien, il y a un pile d'incertitude, nous, pas qu'à cacher, de démocratie pour t'acquérir majorité. Puisque, nouvelle là dans la ria, côte popularité de M. Biden trouvée au plus bas, plus que jamais, très bas. Il te font une montée avec, enfin, il te font bon montée, les gars, te fait venir pour Jean Tab Gérel. Mais tout de suite après ça, c'est l'inverse, je ne veux dire, côte de popularité. Si tu veux un problème, là, je ne veux dire, mais ça, allez, vous ne comprenez pas, il n'y a pas l'autre bagaille sur le plan politique. C'est l'inflation, ça ne le dit pas là. Eh bien, dès qu'un prix gaz cap monte et que le président, qui j'en pense qu'on parle de popularité, il va l'autre bagaille, l'inflation. Ou le pouvoir, gaz bien cher, tout le monde a pris l'amour et a dit président, la vie chère, et pas les moyens vraiment pour la popularité. C'est là le vrai problème de Biden. Ça veut dire. Ça veut dire, lorsque vous avez un exécutif là, chef démocrate là, Biden, code de popularité le descend, il veut dire que tout notre acteur politique, sénateur, député, ils ont même tout ils ont subi de l'impopularité du président. Puisque fondamentalement, ils ont supposé un allié du président, ils ont touché par ça. Donc c'est tout facteur ça. Yo. Bien entendu, nous, au mois d'avril, nous ne connaissons pas qui sa capacité s'il a remonté, puisque il était bon à remonter là. Donc, ça t'a dit, considérant de tous ces facteurs, vous avez comprendre que et lorsque un député t'a dit dégagez au pressé pressé pour que et monsieur a retiré colis. Et pour vous faire rapide, rapide, parce que si effectivement le quitté novembre, prendre là, novembre, prendre là, Biden a choisi un juge, n'est-ce pas t'as voté, non? Biden a choisi un juge, mais n'est-ce pas t'as voté. Il a vraiment vu nos problématiques, ok? Donc c'est comme ça pour nous comprendre et causer. En tout cas, ça veut dire qui ça là, moi c'est que il n'a pas été en l'aide s'il pas de joindre, s'il pas de bipartisan, mais actuellement là, il y a trois républicains avec elle, donc il y a une nomination. Bipartisan et nous allons gagner une femme noire, Supreme Court, un événement vraiment qui va marquer une fois encore l'histoire pays ça. Parlant de femme noire, nous avons rappelé qu'Obama a tourné, on dit Obama a visité Maison Blanche, ça fait longtemps. Semaine ça, monsieur va visiter Maison Blanche, il va jamais venir visiter Biden, non, depuis le Biden Moutéa. Et c'est justement, il va faire promotion de Obamacare. Donc, dans ce moment-là, on attendait Obama la nouvelle. À côté de la Maison Blanche. Merci tout le monde.